c'est normal, c'est là qu'on va être vraiment à l'écran. Bonjour, j'accueille aujourd'hui Federica Morelli, journaliste italienne qui travaille en Belgique, qui a déjà beaucoup donné des coups de main à InvestiAction, et on va bien entendu commenter les résultats de l'élection en Italie. C'est quoi ce nouveau gouvernement? On nous dit populiste, comme si ça expliquait tout. En fait, je crois que ça n'explique rien. Donc, je voulais poser en première question, ce gouvernement, c'est une surprise? D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. C'est une surprise, mais pas vraiment. On a eu un résultat aux élections au mois de mars qui ont surpris très peu de personnes. On a eu une montée énorme de la Lega qui a gagné le 17% de vote, alors qu'avec l'alliance, elle a toujours été en alliance avec Berlusconi, elle n'avait jamais dépassé le 6-7%. On a aussi eu une énorme montée du mouvement 5 étoiles, qui est le vrai gagnant de ces élections. Et aujourd'hui, ce sont les deux âmes du nouveau gouvernement qui est donc on change tout, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de 10 ans de crise et de 10 ans d'austérité qui a été imposée au nom de cette crise. Donc on a dû avaler toutes sortes de choses, on a dû avaler des coupures budgétaires honteuses. On a eu une réforme du système des pensions, on a eu une réforme en sens négatif de système scolaire. Il y a 850 milliards d'euros en moins de dépenses publiques pour le sud de l'Italie dans les dernières 10 ans. On a de moins en moins d'investissements dans les infrastructures, le secteur ferroviaire. Donc c'est l'effet de la crise, c'est l'effet de la politique menée. Ce sont les effets de la crise économique et la façon dont on a dit vouloir gérer cette crise qui ont empiré la crise parce qu'on a socialisé les pertes. Ça va plus mal en Italie que dans d'autres pays européens? Je pense que oui. En Italie, donc, on a une population de 60 millions de personnes, dont 11 millions vivent avec moins de 780 euros par mois, qui est le seuil de pauvreté fixé par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a 11 millions de pauvres qui sont acceptés à tout faire pour pouvoir vivre. Et cela veut dire aussi que de plus en plus de personnes, pas seulement des jeunes qui ont des études, des spécialisations, mais des familles entières avec des enfants quittent leur pays chaque année pour partir ailleurs chercher un travail. Par exemple en Allemagne, même s'ils ne parlent pas un seul mot d'allemand. Dans le sud, cela veut dire que 50 000 jeunes chaque année quittent leur pays pour aller chercher du travail ailleurs, soit dans le nord, soit directement à l'étranger, comme moi. Et donc c'est un pays qui est en catastrophe totale. C'est cette Italie qui a voté la Lega et le mouvement 5 étoiles au mois de mars. Alors c'est justement deux partis qu'on ne connaît pas très bien. La Lega, c'est quoi? La Lega, c'est un parti qui a déjà été au pouvoir plusieurs fois avec Berlusconi, qui est son allié stratégique depuis longtemps, et que finalement, là, maintenant, c'est fini, on dirait que c'est fini. C'est un vrai parti, c'est un parti qui est enraciné dans le territoire, surtout dans le nord, c'est un parti qui naît au nord, et il est bien enraciné dans les campagnes, dans les banlieues. Il représente la petite bourgeoisie locale. Il se veut à la défense d'une idée, d'un modèle de communauté locale qui serait mise en crise par l'arrivée des étrangers et qui serait mise en crise par la globalisation. Donc ils veulent défendre les intérêts des petits entrepreneurs qui, jusqu'à il y a quelques années, pouvaient bien exploiter les travailleurs. Maintenant, la crise empêche aux travailleurs d'avoir un travail déjà et aussi d'avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des produits. Ça ressemble à des partis qu'on a en Belgique ou en France. Exactement, c'est très similaire à la vague de partis de droite sociale, disons, qui ont adopté un langage très nationaliste, patriotique, comme par exemple le Front National, mais qui ne remet pas en question les causes fondamentales de la situation économique. Droite sociale ou extrême droite? Droite sociale extrême. Ok. Très raciste et très xénophobe. Avant, le problème, c'était les terroni, les gens comme moi qui venaient du sud, qui
qui soit ils faisaient rien de leur journée, donc les fainéants. Les fainéants du Les Sud. fainéants du Sud, soit les gens donc, qui n'étaient plus fainéants, qui partaient dans le Nord pour chercher un travail et qui le volaient aux gens du Nord. Maintenant, le problème, ce sont les migrants. Donc, on a C'est complètement toujours la faute changé de le quelqu'un, langage. quoi. Je regarde Raphaël, notre camarade d'InvestiAction, qui est à Genève et qui, par la magie de Skype, nous envoie une première question. On nous demande est-ce que les États-Unis et le Vatican ont une influence importante sur la politique italienne? Oui, les États-Unis, bien sûr, parce que nous sommes, j'oserais dire, une colonie italienne sans avoir jamais été colonisée, Il y a des vraiment. bases très importantes, je crois, Il des y bases a d'où les avions sont partis il y a attaquer l'Irak et la beaucoup Libye. de bases militaires de l'OTAN et qui sont utilisées pour qui ont été utilisées pour toutes les attaques dans les dernières années. Et ben, bien sûr, on n'a pas de politique étrangère indépendante Il y a comme dans d'autres unanimité, pays de les partis sont l'Union de toujours l'Europe. d'accord sur ça? Pas du tout. Il a toujours eu une opposition à l'OTAN, mais cela est devenu de plus en plus important grâce aux 5 étoiles. Ça, Alors il faut justement, le réaliser. le C'est mouvement grâce aux 5 5 étoiles, étoiles. ça c'est quelque chose qui apparaît très bizarre, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît en Europe. C'est un parti anti-système. C'est pas un parti anti-système, c'est plutôt un parti anti-establishment, c'est-à-dire un parti qui se veut contre la caste, cet ensemble de personnes de droite, de gauche, managers, Anti-élite. anti-élites, voilà, qui a comme priorité numéro un l'anticorruption. Donc ils veulent que ces élus qui ont des problèmes avec la justice, par exemple, hein, de plus en plus depuis des dizaines d'années en Italie, c'est normal, c'est l'habitude. On a des élus de droite et de gauche qui ont des problèmes avec la justice ou bien qui ont des condamnes définitives et pourtant ils sont élus et donc ils doivent représenter le peuple. Ça, c'est toujours été un problème et c'est sur ça que le mouvement 5 étoiles a créé son succès. Sur la dénonciation de cette corruption et sur le fait que voilà, nous allons ouvrir les institutions, nous allons entrer dans les institutions et nous vous montrerons que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne ferons pas de la politique pour devenir riches, mais pour réduire la distance entre les institutions et le peuple. C'est pour ça qu'ils versent une partie de leur salaire dans un fonds qui est censé aller financer les petites et moyennes entreprises. On pourrait se Donc, demander. un parti avec des thèmes différents et puis des méthodes différentes aussi. On Des a thèmes et beaucoup des dit que le méthodes. succès était venu d'Internet. C'est intéressant, ça. C'est ça. Tout ça a commencé en fait avec le blog de Beppe Grillo il y a une quinzaine C'est d'années. qui encore au départ, C'est le Beppe Grillo? gourou, c'est le leader d'opinion C'est un comique, de cette non? agence de communication. C'est un Parce que comique ou c'est c'est un quoi? comique à la Coluche, je dirais, qui a décidé de créer un blog pour faire de l'information. Il y a 15 ans, c'était le seul endroit, le blog de Beppe Grillo, où on pouvait parler de plein de sujets sur lesquels on ne pouvait pas parler dans la télévision. Donc au On était départ, il y en a plein un... monopole médiatique Donc au départ, il y berlusconien. a un peu un phénomène justement positif de libérer l'information et le débat. Oui, de proposer une autre, une possibilité aux gens de parler de plein de choses. Par exemple, on pouvait s'informer sur l'économie, on pouvait comprendre comment les grands groupes industriels fonctionnent et font les magouilles dans le marché. On pouvait même mener des class actions sur le site contre les grands groupes industriels parce qu'ils avaient Donc fait. c'est le premier parti 2.0. C'est le premier parti 2.0 et c'est pendant 10 ans, donc en 2009, on a eu la création de ce mouvement 5 étoiles qui n'est pas un parti, qui n'est pas un mouvement, qui est une structure assez bizarre, qui fonctionne comme une agence de communication, donc avec Beppe Grillo, le leader de l'opinion, qui donne ses idées, ses opinions sur plein de sujets, qui sont reprises sur le territoire par d'autres personnes et qui activent les meet-up, les groupes d'activistes locaux. Mais donc il y a des groupes de base, donc il y a un activisme, donc c'est plus démocratique que les autres partis. Oui, il y a un certain activisme local qui est stimulé, qui est activé, mais cela est fait pour légitimer cette structure, pas pour la remettre en question. C'est plus une courroie de transmission qu'un vrai Exactement, débat. du haut vers le bas. Tant qu'on ne met pas en question la façon de prendre des décisions, la façon de gestion qui est verticale, voire autoritaire, tout va bien. Et le programme de Movimento 5 Stelle, il est anticapitaliste, il est pour les pauvres. Je ne pense pas que ce soit
un mouvement anticapitaliste, tout simplement parce qu'il ne remet pas en question l'essence du capitalisme. Il n'y a pas de réflexion là-dessus. C'est plutôt un parti anti-establishment et anti-corruption, je dirais, au moins au départ, qui adopte une position paupériste, c'est-à-dire il se veut à la défense des gens qui ont été écrasés par la crise, des jeunes qui n'ont pas de travail même s'ils ont plein d'études, ils ont fait plein d'études, des pensionnés qui vivent avec 400 euros par mois. C'est comme la campagne de Trump alors, ou de Le Pen. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Il adopte cette position, donc ils veulent défendre les écrasés par la crise et ils essayent d'introduire un revenu de citoyenneté. Donc, pour que tout le monde puisse toucher au moins les fameux 780 euros par mois. On nous demande sur Italie, Facebook. Ce n'est pas comme en Belgique. Ah oui, non, ça vaut la peine d'expliquer ça. Oui. Oui, il faut comprendre qu'en Italie, quand on dit je suis chômeur, ça ne veut pas dire que j'ai droit à des indemnités. C'est un concept qui n'existe pas. Ici en Belgique, on essaie de réduire les indemnités. Il n'y a pas la sécurité sociale comme en Belgique en France. Non, en fait, si on est chômeur, ça veut dire disoccupato, ça veut dire sans occupation, donc sans emploi, sans sous. Et donc, on est prêt à tout faire. On me demande sur Internet si les paradis fiscaux vont être enrayés par le nouveau parti. Donc, on a tout un débat là-dessus maintenant. Donc, une des propositions qui ont été faites par le nouveau gouvernement, c'est l'introduction de la flat tax, donc une taxation qui ne serait plus progressive par rapport aux revenus de chacun, mais qui serait plate. Donc, tout le monde paye plus ou moins la même chose. Et ça serait, ils disent, pour diminuer l'évasion fiscale, pour que tout le monde paye quelque chose. Mais les gens qui, normalement, devraient payer beaucoup vont être très contents. Voilà. C'est pas très assez riche, ça. Oui, donc ils disent qu'ils font ça pour que les entrepreneurs puissent donner des contrats de travail avec des conditions moins difficiles pour eux. Mais en même temps, on sait que les familles, par exemple, n'auront plus la possibilité de faire une détraction fiscale par rapport au nombre d'enfants dans la famille, par rapport aux dépenses médicales. Donc, c'est quelque chose qui va créer des problèmes à la classe moyenne et aux pauvres. Bien. Le succès de ces deux partis vient après un gouvernement de centre-gauche dirigé par Renzi, un peu le PS, on dirait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce gouvernement ? Ben, le centre-gauche n'existe quasiment plus. Il a pris le 17%, je pense, alors qu'aux élections européennes de 2014, ils avaient eu le 40% de vote. Donc pendant 5 ans, ils ont réussi à tout perdre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imposé des coupures budgétaires honteuses. Et Renzi a même essayé de modifier la constitution pour faire en sorte que les multinationales et le pouvoir privé aient plus d'influence et de possibilité d'imposer des contrats. Donc en Italie, comme dans pas mal de pays européens, quand le PS mène une politique de droite, après on retrouve des partis d'extrême droite. C'est ça. Si le centre-gauche n'existe plus et maintenant il fait un bloc libéral avec le centre-droite, donc Berlusconi, avec qui il était au pouvoir jusqu'à présent, c'est parce qu'ils sont partie intégrante de l'idéologie économique dominante. Donc ils ne vont jamais poser un problème à cette vision de l'Union européenne. Parce qu'eux-mêmes, ils sont partie de cette vision. Bien, ça n'est pas très optimiste tout ça. Est-ce qu'il y a encore une vraie opposition en Italie alors ? En fait, la vraie opposition ne se joue pas au Parlement. Au Parlement, il y aura une opposition fausse, donc le bloc libéral qui a la terreur que, par exemple, le gouvernement ait la force ou avoir l'envie de se opposer au CETA avec le Canada ou à la construction de la TAV ou de la TAP, donc des choses qui sont faites pour le marché, pour les grands groupes industriels, pas pour les gens. La vraie opposition viendra en dehors du Parlement. C'est une opposition extra-parlementaire. Les communistes ne sont plus au pouvoir depuis 10 ans. Pardon, pas au pouvoir, mais au Parlement. Ils n'ont plus de représentants au Parlement depuis 10 ans. Et cette fois-ci, aux dernières élections, on a eu un acteur pluriel qui s'est présenté pour la première fois. Donc c'est un acteur composé par les partis communistes et aussi par des mouvements, des collectifs. Ce sont des gens qui sont très actifs sur le terrain, qui ont une vision totalement différent de la société et qui essaye à nouveau de,
créer les liens sociaux qui ont été détruits par la crise. Aujourd'hui, c'est la guerre entre pauvres en Italie. Et eux, ils essayent de faire le mutualisme, c'est-à-dire de proposer des services aux gens qui ne savent pas ou ne savent plus se payer plein de choses. Les médicaments, les services légaux, si on a perdu le travail, on était licencié, on n'a pas la possibilité de se payer un avocat, des cours de langue pour l'intégration des migrants. Donc c'est une chose qui... c'est une vision différente de la société qui ne dépend pas de la provenance. Donc ça, c'est une expérience italienne originale qui serait intéressante d'étudier. Donc on va commander un article à une journaliste italienne de nos connaissances, par exemple, pour expliquer ce qui se passe en Italie, aussi du côté de la résistance. Mm-hmm. Bon, optimiste, pessimiste, comment ça va tourner? Il y a beaucoup de travail, il faut s'organiser. C'est sûr et certain que le gouvernement aura une rentrée très chaude. Il y a plein de choses qui se préparent et il y a aussi un potentiel pour la gauche extra-parlementaire de gagner de plus en plus d'influence. Pourquoi ? Parce que le centre-gauche a disparu, donc dans l'échiquier politique, il y a un vide à remplir. Et aussi parce que le nouveau gouvernement, dans ses propositions, dans son contrat de gouvernement, comme on l'appelait, on a des bonnes propositions, notamment sur les infrastructures, il y a une critique à la réforme de la buona scuola de Renzi, au système des pensions et tout ça. Mais le problème, c'est que tout ça est incompatible avec les contraintes budgétaires européennes. Donc oui. Si le gouvernement n'a pas la force de s'imposer au sein de l'Union européenne et, par exemple, il accepte le fiscal compact, mais ce sera carrément impossible de mettre... Alors là, justement, j'ai deux questions qui sont venues par rapport à l'Europe. Quelle est la position? Et par rapport aux luttes de base, est-ce qu'il y a une dimension européenne? C'est donc la gauche radicale. Oui. On voit une rupture radicale de la politique économique européenne, mais on se rend compte que cela n'est pas possible si on reste dans les frontières italiennes, avec un horizon politique italien. Donc on essaye de créer une dimension transnationale de lutte. Le Potere al Popolo a tout récemment signé l'appel de Lisbonne avec France Insoumise, Bloco de Esquerda et Podemos, et c'est avec d'autres partis similaire qu'on va pouvoir faire cette bataille. Bien, donc des perspectives quand même de résistance qu'on va évidemment suivre avec Investigation. Voilà, c'était la première apparition de Federica dans Investigation. Je voudrais conclure avec deux, trois informations importantes. D'abord, nous avons lancé un appel à résister aux pressions du lobby Israël qui nous diabolise, qui nous censure, et non seulement à résister, à faire des procès contre les accusations, la diabolisation, etc., mais aussi à développer Investigation. Donc Federica est une jeune journaliste que je désire absolument engager dans l'équipe d'Investigation. Il faut la rajeunir, il faut la féminiser, elle a beaucoup à apporter, vous allez le voir. Et donc nous avons sur notre page Facebook et sur notre site un appel à nous soutenir pour permettre justement son engagement. Elle a traduit, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, elle a traduit mon livre avec grand plaisir. Je suis ou je ne suis pas Charlie, sur les liens entre les États-Unis et le terrorisme. En italien, ça s'appelle Effetto Boomerang. J'en profite pour insister, pour vous proposer de vous réinscrire, si vous ne la recevez pas, à notre newsletter Investigation. En français, en italien aussi, en espagnol également. C'est le meilleur moyen de rester en contact avec nous, d'être au courant de ce que nous publions, des activités que nous organisons. Et la semaine prochaine, ce sera mon dernier Michel Midi avant les vacances, parce que je suis un peu cramé et je vais donc partir un peu plus tôt que prévu. Et après ça, profiter de la période plus calme de juillet-août pour me remettre sur mon prochain livre qui a pris énormément de retard et qui demande beaucoup de travail au calme. Le mardi prochain, donc le 19 juin, ça va être un Michel Midi encore un peu spécial, ça va être l'état de la planète, c'est-à-dire avec des cartes géographiques, je vais essayer de maîtriser ça un petit peu dans ce nouveau programme. On va parcourir les points de la planète où la situation est chaude, on va essayer d'expliquer en deux mots ce qui se passe.
les indices de l'affaiblissement des États-Unis, ce qui est intéressant, les indices des confrontations avec d'autres puissances, comment ça pourrait tourner. Ça va être donc le dernier Michel Midi de la saison avant de nous retrouver début septembre. Je vous invite à faire connaître l'émission, à nous soutenir et à nous informer. Merci.